retrouve aujourd'hui pour une petite pêche à la carpe sur la Loire. Le niveau a bien descendu et les plages sont un peu sorties. La plage où je suis a créé en fait un contre-courant, enfin elle bloque le courant, donc ça fait une belle zone calme. Et je me suis dit pourquoi pas essayer. Est-ce que les poissons sont là? Je sais pas. Une chose est sûre, j'avais envie d'essayer parce qu'à chaque fois on essaye les tas de bois. Et là pour le coup, bah, c'est une façon d'essayer aussi d'essayer cette pêche là, donc en pleine eau, au bord d'un courant assez fort. Donc on verra si les carpes sont présentes et surtout si elles ont envie de mordre. Donc voilà, donc la pêche est un peu longue là, je suis pas avec Rémi aujourd'hui. Rémi a attaqué ses travaux là, donc il est à fond dedans, donc on laisse dans les travaux, nous on va à la pêche. Mais du coup c'est un peu plus long, on est tout seul, hein. J'aime bien parler tout seul mais quand même. Donc bon voilà, c'est pas grave. On va laisser le temps faire les choses et en espérant qu'il y ait du poisson qui vienne me rendre visite, ce serait vraiment bien. Je serais vraiment content, ça m'occuperait en tout cas. Voilà.
Voilà, premier poisson. Un poisson d'à peu près 7-8 kilos peut-être. Voilà, une belle commune. Ça fait plaisir, ça commence bien. J'ai pris sur le bas du poste, vraiment presque dans le courant. Et voilà, enfin, un joli départ, un joli combat. C'est super. Super poisson. Hein. On va le remettre à l'eau. Voilà, deuxième poisson, une super commune encore. Elles sont vraiment jolies, hein. Elles ont vraiment des super couleurs, un peu orangées là. C'est des poissons vraiment sauvages, super. Je suis vraiment content là, la nuit est pas tombée et déjà deux poissons, c'est super. Bon bah voilà. Deux poissons de prix pour l'instant, je suis super content.
Alors j'ai décalé un petit peu mes cannes parce que en fait celle de droite pêchait un petit peu plus haut, pas contre l'îlot de sable, mais enfin, j'étais vraiment à l'entrée du courant et je suis pas sûr que ce soit vraiment le meilleur endroit. Alors en fait j'ai décalé un petit peu mes cannes, du coup je pêche plutôt le bas. Ma canne de droite pêche où était ma deuxième avant et la deuxième pêche un petit peu plus bas celle. Donc voilà, je pense que les poissons arrivent du bas. Je suis pas sûr, mais bon, je fais deux touches sur la même canne. Alors voilà, je me permets de changer. Je sais pas si c'est vraiment bon, si c'est vraiment la bonne idée ou la bonne stratégie, j'en sais rien. Mais si je peux essayer de prendre un poisson en plus sur l'autre canne, je dirais pas non. Donc je tente. Je suis vraiment là pour essayer. Et puis essayer de changer un peu. J'aime bien le changement. J'aime bien essayer des choses. Et là, c'est ce que je fais. Donc voilà, je me suis mis là. Voilà, on verra bien. On verra bien. Donc le soleil va pas tarder à se coucher. D'ici une petite heure. Donc voilà, on va manger tranquillement et on va attendre tout doucement pour voir la nuit tomber. Et voilà, on espère faire d'autres poissons. Ben voilà, un beau poisson de prix, enfin bon, pas très gros mais joli, au lever du jour, donc voilà, j'ai pas fait de touche cette nuit, mais bon, a priori ils ont l'air d'être en activité la journée, on va attendre un petit peu et puis on verra bien, mais en tout cas rien cette nuit. J'ai la GoPro qui a pas marché pendant le combat, je suis un peu déçu, j'ai pas eu de combat, donc j'aurai pas de combat, mais voilà, le poisson est là, je suis content. Super ça, c'est super cool. Bon ben voilà, c'est ici que la session s'achève. Donc je suis quand même assez content des trois poissons que je fais. Alors c'est pas des très gros poissons, mais des vrais poissons bien sauvages de Loire. Et voilà, c'était ce que je cherchais aujourd'hui. Donc c'est mission réussie. Alors voilà, j'aurais aimé faire un poisson un peu plus gros, mais on peut pas tout avoir. Déjà j'ai eu la chance d'avoir fait trois poissons. Donc c'est super. Voilà. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu. Et voilà, ça fait plaisir, ça nous aide à avancer. Et voilà, ça fait plaisir. Bon, et ben sur ce, à bientôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.